Quelques jours après s'être excusée publiquement, Samantha Markle a refait des siennes. Cette fois-ci, elle s'attaque à la mère de Meghan, Doria Ragland. Un pas en avant et deux en arrière. Il y a quelques jours, la demi-sœur de Meghan Markle avait décidé de s'excuser à la télévision pour son comportement et celui de leur père Thomas, qui n'avait pas été invité au mariage princier. Beaucoup de choses sont devenues incontrôlables. Je pense que tout le monde a été blessé de ne pas avoir été convié au mariage, a expliqué Samantha Markle. La douleur s'est propagée dans la famille, mais crois-moi, cela ne signifie pas que nous t'aimons moins. C'est juste que parfois ça se passe comme ça dans les familles. Il faut aller de l'avant, je m'excuse et je souhaite que les choses puissent être différentes. Sauf que la trêve est visiblement de très courte durée. Sa nouvelle cible, Doria Ragland, la mère de Meghan Markle. Sur Twitter, elle a posté des messages au vitriol en la critiquant. Le monde ne sait pas que notre père l'a élevé la plupart du temps sans la contribution de sa mère, en particulier entre l'âge de 12 ans et le lycée. Il lui a donné tout ce qu'elle avait et ce qu'elle est, a écrit Samantha Markle. Selon elle, la mère de Meghan Markle était absente de la jeunesse de sa fille. Et au contraire, leur père, lui, était très important pour la duchesse. Et Samantha Markle va plus loin. D'après elle, si les deux femmes sont aussi proches maintenant, c'est que Doria Ragland a évincé la meilleure amie de sa fille. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses. Elle a ignoré mon père alors qu'il a fait une crise cardiaque. Il n'y a aucune excuse pour cela, s'est-elle ensuite agacée. Vous seriez malade mentalement de penser que tout va bien. Décidément, l'ambiance dans la famille de Meghan Markle est électrique.